Bonjour à toutes et à tous, vous êtes partant pour un petit shoot d'évasion? Alors bienvenue dans Invitation au voyage. Grenade, qui mieux que Federico Garcia Lorca peut mettre en avant les atouts de cette ville et de cette région où il est né? Nous nous rendrons en Andalousie dans quelques secondes, cette terre qui a été le magma de sa poésie. La nieve de l'âme tiene. Si l'on voit des puits de pétrole en Arabie Saoudite, c'est en partie grâce à lui. Un espion britannique installé à Jeddah à la fin des années 20 est plongé dans un univers impitoyable. Nous ferons également un détour par Rennes et vous pourrez exceptionnellement jouer les voyeurs à la piscine en laissant traîner votre regard sur ces mosaïques odorico. Un savoir-faire hérité d'Italie qui a peu à peu mis de la couleur à la poste, dans les villas ou à la crêperie. Enfin, c'est une première, nous serons au Mozambique pour cuisiner et pour goûter cette spécialité. Le caril de caranguejos. Le caril est une sorte de purée à laquelle on ajoute ce que l'on veut, comme du poulet ou toutes sortes de protéines. Mais nous, on va y mettre du crabe. Ça, c'est du crabe à la noix de coco. Le caril est super bon. Merci. Ces coquillages et crustacés aussi aujourd'hui dans la dinette. Savez-vous pourquoi, sous Napoléon III, les Français ont eu l'interdiction de consommer des huîtres entre les mois de mai et d'août? Plus question d'en déguster, ni même d'en ramasser. Cette règle est établie par l'empereur, alors que l'industrie ostréicole bat son plein. La décision est d'autant plus surprenante que les huîtres sont parfaitement comestibles à cette période de l'année. Alors pourquoi une telle interdiction? Je vous laisse réfléchir jusqu'à la fin de l'émission. Pour l'instant, on a rendez-vous en Andalousie. Vous pouvez fermer les yeux et tendre l'oreille, c'est l'inspiration. Il dit que lorsque le vent s'engouffrait, c'était comme si les peupliers criaient son nom. Il dit Federico, Federico. Il aimait dire qu'il était de Grenade et aussi qu'il était né au pied de la Sierra Nevada. Federico Garcia Lorca est considéré par beaucoup comme le plus grand poète espagnol du XXe siècle. L'auteur de Noces de sang et de Romancero Gitano était un homme qui se sentait du camp des vaincus. Les femmes, les gitans, les opprimés, la mémoire poétique de Garcia Lorca, c'est celle du peuple andalou. Il est mort fusillé à l'aube du 19 août 1936, au moment où la guerre civile espagnole éclate. Et pendant près de 40 ans, le régime franquiste a fait régner l'obscurité sur les circonstances de sa disparition, nourrissant la légende du poète. C'est au cœur de la Vega, la plaine de Grenade, que naît en 1898 Federico. Ses plus anciens souvenirs ont l'odeur de cette Andalousie fertile, de ses couleurs et de sa lumière. Federico dira : je crois que ma place est ici, parmi ces peupliers musiciens et ces rivières lyriques qui sont une eau perpétuellement endormie, parce que mon cœur se repose d'une manière définitive. Fils d'un riche propriétaire terrien, Lorca est un enfant bien né dans une région minée par la pauvreté. Il se passionne pour le piano, écrit des spectacles de marionnettes et dévore les livres de sa mère, Vicenta, une institutrice à qui il doit tout ce qu'il est et tout ce qu'il deviendra. Dans le village de Valderrubio, à quelques rues de la maison familiale, la tante de Federico partage un puits avec la voisine, une veuve et ses cinq filles. Un univers féminin qui imprègne Lorca.
Ces femmes qui devaient garder un deuil rigoureux étaient épiées par leur mère. Les filles faisaient de la broderie, de la couture dans ce patio, et elles bavardaient entre elles. Federico venait écouter ces conversations chaque fois qu'il venait chez sa tante Mathilde. Et à partir de ces conversations, il va écrire un drame rural, une œuvre magistrale, La maison de Bernarda Alba. L'air de la rue ne doit pas pénétrer dans cette maison. Dites-vous que j'ai muré les portes et les fenêtres, comme on faisait chez mon père et chez mon grand-père. Cette œuvre, au réalisme sombre, dernière pièce écrite par Lorca avant sa mort, exhale la morale rance de l'époque. Dans une Espagne monarchiste et catholique, Bernarda impose à ses filles un deuil de 8 ans et leur interdit de sortir de la maison. Un huis clos féminin à l'atmosphère étouffante, empli de désirs et de frustrations. La société de l'époque était foncièrement machiste. Les femmes étaient sous-estimées. Elles ne pouvaient pas sortir au coin de la rue. Federico le décrit dans sa pièce. Naître femme est le pire des châtiments. Du fil et une aiguille pour les femelles, un fouet et une mule pour le mâle. À 11 ans, Federico connaît sa première grande rupture. Il quitte son village de Valderrubio pour Grenade. Ce départ, c'est l'enfance qui s'achève. Il découvre dans le centre de Grenade une ville en pleine ébullition, débordante de cafés littéraires et de théâtres, de personnages nouveaux qui vont inspirer son œuvre future. À Grenade, les heures sont plus longues et plus savoureuses que dans n'importe quelle autre ville d'Espagne. Elle a des crépuscules complexes de lumière toujours neuves qui semblent ne jamais finir. Elle est immensité. Autour de la place du Campillo, une figure féminine l'obsède. La jeune Mariana Pineda, exécutée en 1831 à l'âge de 26 ans pour avoir soutenu la cause des libéraux opposés au roi Ferdinand VII, elle est l'héroïne andalouse de la liberté. García Lorca lui consacre l'une de ses premières pièces. Montée pour la première fois en 1927, elle lui permet de devenir aussi célèbre que ses amis, Salvador Dalí et Luis Buñuel. En tant que dramaturge, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette défense de la liberté, cette critique de l'abus de pouvoir, mais aussi le fait que Lorca ne le fait pas d'une manière directe, facile, mais qu'il trouve un registre poétique, exigeant, lyrique, magique pour son théâtre. Comment te rendre ce que tu as fait pour moi? Tout mon sang est nouveau, car tu me l'as donné, en exposant ton faible cœur au danger. Ah, comme j'ai tremblé pour toi, Mariana. L'une des clés de sa pièce, c'est que Mariana Pineda pense que son amant va la sauver, qu'il va se sacrifier pour elle. Elle attend qu'il arrive. Elle a une confiance aveugle en lui. Mais il ne vient pas la sauver, il fuit, il s'échappe. Elle est donc victime d'une trahison amoureuse. Cette thématique intéresse beaucoup Lorca. Il y a aussi quelque chose de féministe là-dedans. Son héroïsme ne dépend pas de la figure masculine. C'est elle seule l'héroïne. Symbole de la liberté qu'on assassine, les destins de Mariana Pineda et du poète se font écho. À quelques mètres de la place dédiée à la jeune militante, une statue de Lorca rappelle les longues heures passées dans le quartier. Toute sa vie, Lorca éprouve des sentiments ambigus envers Grenade. Il souffre de son étroitesse d'esprit, de son mépris envers tous ceux qui sont jugés en marge. Poète des opprimés, il se lie d'amitié avec les gitans installés dans le quartier du Sacromonte, à l'intérieur de ces maisons troglodytes, les Casas Cuevas.
Les familles qui vivaient au Sacromonte habitaient dans une pièce ou deux avec toute la famille et leurs animaux. La plupart des gens étaient forgerons ou fabriquaient des paniers en osier. Lorsque Garcia Lorca montait ici au Sacromonte, il devait être fasciné, et ça transparaît dans son œuvre. La forme de la lune, qui est comme le reflet de la forge toujours allumée, toujours brûlante. Les marteaux et les chants qu'ils entonnaient pendant qu'ils travaillaient. La lune vint à la forge avec ses volants de nard. L'enfant, les yeux grands ouverts, la regarde. Dans la brise qui s'émeut, la lune bouge les bras, dévoilant, lascive et pure, ses seins blancs de dur métal. Va-t'en, lune. Si les gitans arrivaient, ils feraient avec ton cœur bagues blanches et colliers. En 1928, Garcia Lorca publie Romancero Gitano, un recueil de poèmes qui devient un best-seller dès sa sortie. Les gitans y sont des héros qui incarnent la liberté. Mais comme toujours chez Lorca, cette liberté engendre la tragédie. Le gitan est confronté au monde bourgeois et à son bras armé, la Guardia Civile. Lo que fascina a Lorca es... Lorca était fasciné par ce peuple marginalisé, relégué au second plan. La société grenadine était très corsetée à l'époque. C'était une société avec beaucoup de préjugés. Lorca se sentait proche d'eux, aussi parce qu'il était homosexuel. Il s'identifiait aux marginaux et aux gens qui étaient méprisés. Initié à la science du folklore andalou par le compositeur Manuel de Falla, Lorca, dont la première vocation était la musique, est fasciné par le flamenco qui exprime à merveille la passion, la douleur, la tragédie. À quelques pas du Sacromonte, au cœur de l'ancienne médina arabe de Grenade, l'Albaïcine est le quartier du Cante, le chant flamenco. Arturo est né ici. Et il chante depuis toujours des poèmes de Lorca. Lorca s'intéresse au cante rundo, la forme la plus primitive du flamenco, et lui dédie un recueil de poèmes publié en 1931. La guitare fait pleurer les songes. Le sanglot des âmes perdues s'échappe par sa bouche ronde. Pour lui, ce chant profond et guttural est le symbole le plus fort de l'âme andalouse. Une âme puissante, capable de faire sortir ce qu'il appelle le duende. Le duende, je crois que c'est l'inspiration. Tu ressens une peine, une douleur, quelque chose qui s'arrache de toi. Cette douleur que tu ressens, si tu es capable de l'extérioriser, eh bien je crois que c'est ça le duende de Lorca. Je l'ai vécu très peu de fois. C'est comme être dans un brouillard. Tu ne vois plus les gens, tu n'entends plus la guitare, et tu te rends compte, quand tu as fini de chanter, que dans le public, des gens sont en train de pleurer. Garcia Lorca, le poète musicien, a lui aussi rencontré son duende. Il est au sommet de sa gloire lorsque Grenade tombe aux mains des hommes de Franco en juillet 1936. Homosexuel, proche des républicains, Lorca est l'une des toutes premières victimes du régime franquiste. Il est exécuté à l'âge de 38 ans, à quelques kilomètres de l'endroit où il est né. Lorca est fusillé et jeté dans une fosse commune au milieu de nulle part. D'ailleurs, on n'a jamais retrouvé son corps.
Et finalement, lorsque le pouvoir élimine quelqu'un de cette manière, il finit par le transformer en héros. Le silence s'abat sur les vers de Federico Garcia Lorca. Jusqu'en 1953, ses écrits sont totalement interdits et dans son Andalousie natale, on ne peut plus prononcer son nom. Ce n'est qu'à la mort de Franco, en 1975, que l'œuvre du poète martyr est réhabilitée. Elle est aujourd'hui universelle. J'ai pris congé de mes amis les plus tendres pour entreprendre un court mais dramatique voyage. Le parfum tendu et froid du petit matin frappe mystérieusement l'immense falaise de la nuit. Il y a en Espagne un mythe qui revient souvent. Federico Garcia Lorca l'évoque d'ailleurs, c'est celui de l'Atlantide. Thomas Chauvineau s'est demandé si l'Atlantide était en Espagne, dans le clin d'œil. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir retrouver l'Atlantide ? En 2021, le réalisateur Michael Donnellan en était sûr. Photo aérienne à l'appui, les restes de cette ancienne ville découverte dans le sud de l'Espagne, c'est un morceau de l'Atlantide. Avant lui, James Cameron, plongé dans ses obsessions sous-marines, après Abyss et Titanic, et avant Avatar 2, il sortait en 2017 Atlantis Rising, et situait également une partie de cet hypothétique continent en Espagne. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a longtemps, très longtemps, le naturaliste suédois Olof Rudbeck situait lui l'Atlantide quelque part en Scandinavie. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Il est le premier d'une longue, longue série. Depuis, on l'aurait retrouvé dans l'Atlantique, mais aussi la Méditerranée, en Égypte, au Pérou et même au Tibet. Selon la légende, les rois de l'Atlantide sont des descendants de Poséidon et d'une princesse au doux nom de Clito. Ils ont fondé une cité idéale, bâtie en cercle concentrique, au milieu, le temple de Poséidon et Clito. Tout le monde vit là, tranquille, pépère, en avance sur son temps, jusqu'à ce que l'orgueil vienne mettre le boxon. Et voilà, les Atlantes qui se mettent à conquérir le monde. Pour les punir, Zeus noie sous le déluge la cité qui n'a plus rien d'idéal. Cette histoire, c'est Platon qui la raconte pour opposer à l'Atlantide décadente la ville vertueuse d'Athènes où il réside. Platon n'a pas la réputation d'être un drôle. Il n'y a qu'à voir le très emmerdant amour platonique. C'est lui. Pourtant, ça a tout l'air d'être une bonne blague, cette Atlantide. Pour la plupart des historiens, elle n'existe pas. Platon croyait aussi qu'après la vie, les âmes continuent leur petit bonhomme de chemin. Si c'est le cas, savoir que plus de 2000 ans après lui, des gens la cherchent encore, ça doit bien le faire marrer. Imaginez, vous faites des travaux chez vous et vous découvrez une œuvre d'art. Eh bien, c'est ce qui s'est passé récemment à Rennes pour les gérants d'une épicerie-restaurant qui ont mis au jour un pan entier de mosaïque signé Odorico. Cet artiste qui a laissé un héritage pixelisé dans l'ouest de la France. Mais qui donc a eu l'idée d'égayer Rennes avec ses sucres d'orge multicolores ? D'enluminer ce paysage de granit, l'audace de s'affranchir des traditions bretonnes. Une famille d'immigrés italiens. Ce sont eux qui, au début du XXe siècle, ont apporté cet art méditerranéen de la mosaïque dans ce territoire de l'Ouest alors reculé, les frères Odorico. On a été baigné dedans depuis tout petit, donc comment tu veux ne pas être mosaïste quand t'es rennais ? C'est inné dans notre ville. Pour moi, la mosaïque Odorico, ça représente toute une histoire de la ville de Rennes. Étant natif de Rennes, on a vu que ça étant jeune. Ces mosaïques n'ont pas seulement embelli la capitale de la Bretagne. Elles ont accompagné sa modernisation, tardive. Elles sont entrées dans le quotidien des habitants, à la poste, à la piscine, chez les particuliers fortunés, et ont forgé sa personnalité. Bretonne, évidemment, mais avec cette touche sophistiquée et cosmopolite. Avant que la mosaïque ne fasse rayonner la ville,
Rennes affiche une mine morne pour les voyageurs du 19e siècle. Ancienne capitale provinciale déchue à la Révolution, privée de pouvoir politique et peu industrialisée, elle n'est qu'un point de passage pour les ruraux en quête de travail, vers Paris et les ports du bassin de la Loire. C'est pourtant ici que débarquent dans les années 1880 deux étrangers, les frères Isidore et Vincent Odorico. Nos deux premiers Odorico arrivent d'Italie, du Frioul, pas très loin de Venise. Aujourd'hui, c'est à une heure de route, un petit village qui s'appelle Sequale, où il y a une tradition de mosaïstes depuis très longtemps et surtout du pavage. C'est des pavages en galets. On n'est pas loin des Dolomites et il y avait des torrents de galets, blancs, noirs, un peu toutes les couleurs. Ce qui a poussé ces Italiens à venir en France, un chantier d'exception, celui de l'Opéra Garnier à Paris. C'est pour leur savoir-faire que l'architecte Charles Garnier, grand admirateur de mosaïques italiennes, embauche ses artisans de Sequale dans les années 1860. Une fois le chantier terminé, les mosaïstes décident de tenter leur chance en France et c'est par hasard que la famille Odorico met le cap sur l'Ouest. C'est un petit peu difficile au début, il faut se faire connaître. Heureusement, le chantier de l'Opéra Garnier, en province, on en a entendu parler, on a entendu dire qu'il y avait de la mosaïque. Beaucoup sont allés voir, même des spectacles. Et en fait, la mode de la mosaïque commence à prendre vraiment là. Et les particuliers voudraient avoir un petit sol en mosaïque, un petit paillasson, comme on disait, d'entrée, ou un petit cartouche sur sa façade, avec son monogramme, vous voyez, des choses assez simples. L'entreprise, petit à petit, doucement, elle se développe. En 1896, il va avoir ce chantier ici où nous sommes, le chantier de la maison Valton. C'est une épicerie fine. Les commanditaires sont assez riches, donc on fait un grand magasin moderne. Sur des motifs créés à partir de catalogues parisiens, les Odorico appliquent des couleurs vives. En attirant l'œil des passants, ils mettent en valeur les vitrines et séduisent le chaland. La façade, elle est très moderne de par les matériaux, le métal qui est apparent. Et c'est assez rare, c'est nouveau. Et la mosaïque, elle vient se greffer à l'intérieur. Et finalement, les gens vont l'apercevoir non plus comme quelque chose de très passéiste, mais quelque chose qui se marie bien aussi et qui finalement lui donne ce côté moderne. Ils vont utiliser les magnifiques smalts or que l'on voit ici, toutes ces tesselles dorées, mais aussi beaucoup de pattes de verre, des émaux de brillard qui viennent décorer cette façade. La famille italienne s'acclimate à la cité et commence à se faire un nom, profitant des quelques commerces et industries qui s'y développent, comme la tannerie, l'imprimerie ou encore le beurre salé. Mais le décès d'Isidore, patriarche de la famille en 1912, et le début de la Première Guerre mondiale freinent l'expansion de l'entreprise. Les Odorico participent à l'effort de guerre dans cette ville arrière de garnison. À la sortie de la Grande Guerre, Rennes entreprend de transformer son centre urbain pour améliorer la vie de ses habitants. Le mot d'ordre, faire de Rennes une ville bien moderne et des plus hygiéniques. La piscine et des bains-douches deviennent une priorité. Édifiée entre 1923 et 1926, la piscine Saint-Georges bouleverse le rapport au corps des Rennais. Il faut imaginer au sortir de la guerre 14-18, une Rennes qui compte pas mal de quartiers assez pauvres, hein, des quartiers ouvriers, dans lesquels il y a une grande insalubrité, notamment. Et on va avoir l'idée que l'hygiène corporelle, l'hygiène de soi-même, c'est aussi finalement l'hygiène de l'esprit. Et qu'on va réussir à sortir un peu ces gens qui sont dans la misère par l'hygiène. Des piscines, des gares, des postes, des écoles. À l'heure où toute la France se couvre de bâtiments publics, la mosaïque devient dans le Grand Ouest le revêtement souverain de la modernité républicaine et sociale. La mosaïque, c'est le revêtement idéal parce que c'est un matériau qui est imputrescible
qui est lavable à grande eau et dont on peut recouvrir en fait l'ensemble des surfaces, que ce soit les sols ou les parois. Et on voit même qu'il y a des techniques très hygiéniques de pose de la mosaïque, puisque vous pouvez regarder autour du bassin et des cabines, on a cette plinthe à gorge arrondie qui permet toujours de bien nettoyer l'ensemble. Ces immenses surfaces à habiller font prospérer l'entreprise familiale des Odorico. À sa tête, Isidore Odorico fils. Il propose des prix compétitifs et emploie jusqu'à une centaine d'ouvriers. C'est un chef d'entreprise qui sait diriger les hommes et qui sait aller chercher des contrats. Et il va fédérer autour de lui tout un grand nombre d'artisans qui vont aussi, évidemment, participer, répandre en fait cette mosaïque et puis surtout être un bouillon économique très important. L'entreprise Odorico est la plus importante du Grand Ouest pendant l'entre-deux-guerres. C'est quand même une technique qui est artisanale, mais qui s'organise de manière industrielle, puisqu'on va noter qu'il y a une division des tâches. Il y a une préfabrication en fait, des panneaux de mosaïque en atelier, d'accord, qui vont être fabriqués par une équipe de mosaïstes. Et puis, il y a d'autres équipes de mosaïstes qui vont venir poser le décor sur place. Un décor inventé et corrigé par Isidore Odorico fils. Isidore Odorico, il est différent. Il passe par l'école des Beaux-Arts de Rennes. Donc c'est un véritable créateur et il va développer ses propres motifs. C'est pour ça qu'on a la marque de fabrique Odorico. On reconnaît en fait le style Odorico par ses dégradés, notamment qu'on a sur les murs de la piscine ici. Cette patte artistique séduit les propriétaires des villas et des hôtels de luxe qui fleurissent dans les stations balnéaires le long du littoral de l'Ouest. Ces riches commanditaires disposent d'un budget considérable qui permet toutes les audaces. À Étables-sur-Mer, là où les conifères se jettent sur la Manche, la villa Le Petit Caruel incite au repos baigné de soleil. En 1925, Louis Fricotel, industriel fortuné, décide pour rénover sa demeure de convoquer plusieurs artistes, dont Isidore Odorico. C'est d'une rencontre d'artistes qu'il va y avoir une émulation créative et que ça va donner une audace artistique incroyable. Et en fait, c'est l'aspect que moi j'adore. On laisse librement parler son âme d'enfant et on met son art au service des images qu'on a. Et je pense que Louis Fricotel, qui avait été aussi gazé pendant la guerre de 14, eh ben, il voulait se raconter des histoires et il a créé, avec tous ses artistes, un monde à la Jules Verne. Cette villa Art déco est pensée comme une œuvre totale. À la sortie de la Grande Guerre, c'est le début des années folles. La France décolle économiquement. Un sentiment d'euphorie pousse les plus aisés à renouer avec les plaisirs de la vie, à oser la modernité. Cette rencontre, elle date de ce qu'ils ont partagé dans les horreurs de la guerre. Et en fait, quand ils se retrouvent ici, c'est un hymne à la joie, à la mer. Et en fait, c'est une représentation à la fois symbolique et en petit, en miniature, de la baie de Saint-Brieuc. Donc on va retrouver les animaux de la baie, les raies. Et puis surtout, il y avait beaucoup de pieuvres. Cette pieuvre que certains appellent la Joconde de la mer, parce qu'en fait, elle ne vous quitte pas du regard. Et c'est vrai que cette pieuvre, elle est émouvante parce qu'il a réussi à en faire un animal vivant. Avec ce savoir-faire, les commandes se multiplient sur des centaines d'édifices. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les techniques et le design de construction se transforment. L'entreprise ferme ses portes en 1978. Mais la mosaïque s'est fichée dans le cœur des Rennais.
et est indissociable de l'esprit et du décor de la ville. Dans son atelier, Caroline Bernard s'affaire autour de la plaque d'une maison rennaise réalisée par Léo Dorico. Pour restaurer cette plaque, il va falloir que je gratte tout le mortier, que je retrouve les tesselles qui s'adaptent, notamment dans ces matériaux que l'on m'a confiés et qui sont quasi identiques, et puis refaire le lettrage très finement à partir de plaques d'or. Cette plaque, elle porte toute la finesse et le savoir-faire des Odorico. C'est quelque chose que je veux remettre au goût du jour et représenter au Rennais. C'est émouvant. Elle nous entraîne vers son dernier chantier en date, l'ancienne maison d'habitation des Odorico. Une propriétaire et sa famille a vécu ici et elle avait à cœur de garder la maison intacte d'Odorico, dont ces magnifiques mosaïques dans la salle de bain. La demeure des entrepreneurs italiens s'est convertie en crêperie salon de thé dans une forme d'intégration totale au paysage local d'Odorico. Pour les Rennais, c'est important parce que dans leur quotidien, ils côtoient les mosaïques d'Odorico. Ils vont, par exemple, nager à la piscine Saint-Georges. Il y a les très belles fresques. Ils vont à la poste. Ils ont gardé intactes. Et dans les appartements, les maisons, les gens retrouvent de plus en plus de mosaïques qui ont été cachées pendant des années quand ça n'était pas à la mode, mais sous un linoléum ou un ancien carrelage, ils retrouvent ça et ça devient des pièces importantes. Ça fait partie du patrimoine rennais. La recette de la galette bretonne, vous pouvez la retrouver en replay sur le site d'Arte dans la rubrique Papilles. Et aujourd'hui, pour Papilles, c'est une spécialité du Mozambique qu'on va apprendre à cuisiner grâce à Angelo. Salut, on est sur l'île d'Inhaka. On va faire des courses pour notre recette au crabe. Inhaka est une île de 6200 habitants qui vivent exclusivement du tourisme et de la pêche. Là, je vais au marché où on pourra faire nos achats. Bonjour. Il me faut quelques tomates, 3 oignons et des carottes. Merci. On va pouvoir commencer à cuisiner. Je vais m'occuper des crabes. Le crabe va cuire 15 minutes. Pendant ce temps, je coupe les légumes. J'écrase la tomate. On va en faire une purée pour que le crabe soit plus dense. Le caril est une sorte de purée à laquelle on ajoute ce que l'on veut, comme du poulet ou toutes sortes de protéines. Mais nous, on va y mettre du crabe. Chaque famille a un petit carré de jardin avec des carottes, des poivrons, des oignons, des tomates, de la noix de coco. Il y en a beaucoup sur l'île. Tout est produit localement. Pas besoin d'aller à Maputo, la capitale, pour faire les courses. Allons voir nos crabes. S'ils sont devenus rouges, c'est qu'ils sont cuits. On arrache les pattes et on les met de côté. Ensuite, on ouvre la carapace et on commence à le nettoyer avant de l'ajouter à la sauce. Une partie de l'année, la pêche au crabe est interdite. À partir du mois de novembre, c'est la trêve pour permettre au crabe de se reproduire. Pour pouvoir se reproduire.
Après avoir fait revenir mes oignons et ma carotte, j'ajoute la purée de tomates et le poivron. Et je laisse cuire 5 minutes. La noix de coco est produite ici. Au nord de l'île, nous avons une grande cocoterie qu'on appelle le village des cocotiers. Ici, on utilise la noix de coco de plein de manières différentes. Dans 15 minutes, ce sera prêt à déguster. La cuisson est terminée. Il est temps de passer à table. Ici, nous avons du shima. C'est du porridge à base de farine de maïs. Les gens le mangent traditionnellement avec n'importe quel caril. Je vous souhaite à tous un bon appétit. C'est très bon, délicieux. Ça, c'est du crabe à la noix de coco. Le caril est super bon. Merci. Allez, je vous invite à présent en Arabie Saoudite, le deuxième plus gros producteur de pétrole au monde, derrière les États-Unis. Et si le pays a commencé à rouler sur l'or noir, c'est en partie grâce à celui que je vais vous présenter dans l'incontournable. Elle est la porte d'entrée vers la Mecque et la capitale économique du pays. Sur les rives de la mer Rouge, à 70 km du premier lieu saint de l'islam, la ville de Jeddah vibre depuis le 7e siècle au rythme des pèlerins et des marchands. Une histoire qui se raconte dans les ruelles de sa vieille ville, Al-Balad. Incontournable Al-Balad qui cache une toute autre histoire. Non pas celle de Laurence d'Arabie, mais celle de Saint John Filby, l'autre Anglais qui changea le destin du pays. Sami Nawar est chargé de la sauvegarde d'Al-Balad. Il nous replonge dans ses souvenirs d'enfance. Dans Al-Balad circulait alors le nom d'un occidental, celui d'un ancien agent secret britannique, John Filby. À l'époque, dans Al-Balad, je connaissais un vieux monsieur qui vivait ici, un Américain, John Gaspretti. Et c'était un ami de John Filby. Il m'a offert un livre dédicacé par John Filby que j'ai toujours. Et tous ceux qui voulaient se documenter ou écrire au sujet de John Filby ont consulté ce monsieur qui est mort depuis. Cet homme m'a raconté beaucoup d'histoires et d'anecdotes sur John Filby quand j'avais 17-18 ans. Né en 1885 à Ceylan, John Filby commence sa carrière comme officier de l'armée des Indes. Le jeune homme est indiscipliné, mais sa maîtrise des langues orientales est un atout. En 1917, en pleine Première Guerre mondiale, il est expédié dans l'Arabie centrale, sous domination ottomane. Sa mission, comme celle de son compatriote Laurence d'Arabie, convaincre les Bédouins de se ranger aux côtés des Anglais dans leur lutte contre les Turcs. Filby fait partie de ces Occidentaux qui ont adoré l'Arabie saoudite. Il s'est installé et a vécu dans la ville de Jeddah. Il y avait ici, à Al-Balad, une maison qu'on appelait la maison Filby. John Filby a écrit de nombreux livres sur la région et il a exploré beaucoup de régions méconnues du royaume, et notamment l'immense désert du Roub al-Rali. Se sentant plus arabe qu'anglais, outrepassant ses instructions, Filby va jusqu'à promettre l'indépendance aux tribus arabes qu'il rencontre. Il se lie alors d'amitié avec l'un des leaders des révoltes arabes contre le joug ottoman, le prince Ibn Saoud. Il n'est pas celui sur lequel parient les Britanniques.
Mais Ibn Saoud, allié à la secte rigoriste des Wahhabites, profite du démembrement de l'Empire ottoman à partir de 1918 pour unifier le pays par la force. Jeddah passe sous la bannière des Saoud et devient la ville où vivait le fondateur et constructeur du Royaume d'Arabie en 1925. Une grande partie de l'économie saoudienne était basée à Jeddah, comme c'est encore le cas aujourd'hui. Les ambassades ont été installées ici, et hier comme aujourd'hui, le port de Jeddah était considéré comme le plus important de la mer Rouge. La majorité des ressources du royaume provenaient de la ville de Jeddah, ce qui est encore vrai de nos jours. Rappelé à Londres, Philby se révolte ouvertement contre la mise en place des mandats britanniques, plaçant sous tutelle des Émirats arabes en principe indépendants. En froid avec les autorités britanniques, il s'installe définitivement à Jeddah et devient l'éminence grise d'Ibn Saoud. Il contribue au traité de Jeddah, pacte de non-agression entre Ibn Saoud et le Royaume-Uni en 1927. John Philby était sur plusieurs projets. Il a aussi, sans doute, participé à l'importation des premières voitures ici en Arabie Saoudite et probablement aussi contribué à ouvrir le royaume aux machines et aux produits modernes. Philby devient le fournisseur de voitures de luxe du palais. Mais le train de vie fastueux du roi Ibn Saoud ruine le nouvel état. Lors d'une chasse en automobile, il demande conseil à Philby. Ce dernier lui propose de parier sur l'exploration pétrolière dans le désert, car si des dizaines de millions de barils de pétrole sont extraits d'Amérique, une zone manque encore à l'appel, la péninsule arabique. En 1930-1933, le roi a donné son accord pour des opérations de prospection pour trouver du pétrole dans le désert saoudien. Ayant reçu carte blanche, Philby fait appel à un ingénieur américain qui repère des gisements dans l'est de l'Arabie. Mais le sable saoudien est traître et contrarie toute la chaîne de transport. Au début de la découverte du pétrole dans le royaume, les voitures de prospection et de transport s'enfonçaient dans le sable. Philby et son ami américain John Gaspretti ont donc cherché à résoudre ce problème en s'inspirant des chameaux. Ils ont pris un chameau, l'ont pesé, puis ils ont mesuré ses pieds. Ils ont noté toutes les caractéristiques, les mensurations des pieds, la distribution de son poids sur ses jambes. Ils ont envoyé les résultats de cette étude aux États-Unis afin de les utiliser dans la fabrication de pneus. Les résultats de l'exploration sont concluants. Il faut maintenant trouver un concessionnaire pour l'exploitation. Philby convainc les Américains de la Standard Oil of California de se présenter aux grandes dames des Anglais. Ces derniers misent sur l'Iraq Petroleum Company, dont ils sont actionnaires. Mais Philby fait habilement échouer les tractations anglaises. L'américano-saoudienne California Arabian Standard Oil est née. Elle est rebaptisée Arabian American Oil Company, ou Aramco, quelques années plus tard. La découverte du pétrole a bouleversé le visage du royaume, favorisant son économie et son développement. Des écoles ont été ouvertes, des hôpitaux ont été construits. Philby, lui, est grassement rémunéré pour ses services. Mais la couronne britannique est rancunière. Alors qu'éclate la Seconde Guerre mondiale, il est arrêté en Inde et emprisonné à l'été 1940 pour activité anti-anglaise. Et il finit sa vie au Liban. Son fils, Kim Philby, entrera lui aussi dans la légende comme le plus grand traître britannique au service de Moscou dans la seconde partie du XXe siècle. Mais ça, c'est une autre histoire. On termine avec la réponse à la devinette. Est-ce que vous avez trouvé pourquoi, sous le règne de Napoléon III, les Français n'avaient pas le droit de consommer des huîtres entre le mois de mai et le mois d'août, les fameux mois sans R? Eh bien, c'était pour qu'elles puissent se reproduire en toute tranquillité. Sous Napoléon III, la situation est critique pour les malheureuses huîtres. La grande bourgeoisie parisienne en raffole, et en seulement 20 ans, le mollusque a quasiment disparu du littoral français. Pour remédier à cette situation, l'empereur décide donc d'interdire la consommation et le ramassage d'huîtres entre mai et août, une période qui correspond à la saison des amours pour le mollusque.
C'est donc ainsi que s'achève Invitation au voyage pour aujourd'hui. Mais je vous dis bespalt.